Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto make-up qui sera pour moi des fêtes puisque je vais, à l'heure qu'il est, me préparer pour le réveillon de la nouvelle année. Je ne publierai cette vidéo qu'après les fêtes, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc ça restera un tuto make-up des fêtes mais aussi un tuto make-up pour sortir, voilà, peu importe. Je voulais en profiter aussi pour inclure des produits dont je vous ai parlé dernièrement et que j'ai pas forcément montré encore en action, tels que la palette de chez Makeup Revolution que j'avais trouvée dernièrement, que j'intégrerai déjà dans un vlog, mais je ne sais pas s'il sera avant ou après, j'en sais rien du tout, je suis paumée au niveau de la publication de mes vidéos avec les fêtes. Donc voilà, je vais me maquiller, donc je vais vous présenter les produits au fur et à mesure, il y aura des petites parties accélérées, tout ça. Donc au niveau des nouveaux produits, ben, je ferai un petit zoom, si je puis dire, pour vous en parler un petit peu plus longuement. J'espère que vous aurez passé de belles fêtes, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2019, qu'elle vous apporte plein de bonnes choses, que du positif, c'est l'idéal. Voilà, j'espère vraiment que ça s'est bien passé pour vous. Pour moi, ça s'est relativement bien passé, mais comme ce n'est pas fini, j'ai encore donc le réveillon de la nouvelle année. Je travaille entre les deux et puis j'ai donc mon anniversaire. Donc, c'est loin d'être terminé, on va dire. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer le petit make-up et puis je vous reprendrai par moment pour discuter un petit peu.
Alors, je vous retrouve à la fin du make-up pour faire un petit peu le point sur ce petit maquillage. Voilà, je suis plutôt contente. Donc, comme c'est un maquillage de soir, j'y suis allée fort sur l'highlighter. J'ai rajouté quelques petites paillettes. Voilà, je pense que là, vous le chopez bien. Hein? Voilà. Donc, j'ai réalisé le make-up des yeux avec la palette donc, de chez Make-up Revolution, la Chocolate and Peaches, comme ceci. C'est un vrai régal, cette palette. Voilà, j'ai fait pas mal de mélanges au niveau donc vert, doré, un peu de violet, des choses comme ça. Donc j'aime beaucoup. Au niveau des produits dont je vous avais pas forcément reparlé, alors je sais pas si je vais les prendre dans l'ordre, qu'est-ce que j'ai? Alors au niveau du blush, j'adore, gros coup de cœur pour ce blush. J'avais pris de chez L'Oréal le Life is a Peach. Life is a Peach, oui. Voilà, ça fait pas mal de temps que j'ai vu beaucoup de revues positives sur ce produit-là qui sont super bons. Alors, c'est encore une gamme à la pêche, sauf que c'est pas Too Faced. Mais c'est pas du tout les mêmes odeurs. C'est pas du tout les mêmes odeurs que Too Faced. Il est magnifique. Je sais pas s'il y a un super rendu là au niveau de l'éclairage, puisque je filme le soir, c'est pas le top. Mais il est magnifique, je l'adore. Voilà, ensuite au niveau des petits produits, aussi un gros coup de cœur pour le crayon dont je vous avais parlé dans mon haul Kiko. Je vous l'accrocherai par-ci par-là. Donc le double crayon noir et doré qui fait un truc de fou en muqueuse, mais il est d'une pigmentation, il est juste génial ce truc. Voilà, au niveau du rouge à lèvres, les pinceaux. Petite nouveauté aussi de chez Rimmel, les Stay version satin. Donc que je teste ce soir pour la première fois. Pigmentation top. Effectivement, ils restent pas mat. Ils ont un petit côté légèrement. Alors je dirais pas glossy, mais ils restent hydratants, on va dire. Et je suis venue y ajouter une petite touche de mon chouchou du moment, qui est le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Donc c'est la teinte la plus foncée, hein, la Fenty Glow, je crois. Que je viens en ce moment beaucoup mettre à l'intérieur des lèvres pour donner un petit côté un petit peu plus pulpeux. Donc voilà ce que j'ai utilisé dans les petites nouveautés. J'avais pris quelques trucs à base de paillettes. Donc ça c'était dans des trucs, je sais même plus où j'avais pris ça. À Jiffy je crois. Donc je suis venue ajouter quelques petits paillettes. Alors là à l'écran ça se voit pas du tout. Hein. Il y en a un petit peu par-dessus l'highlight. J'en ai mis un petit peu en guise de gel dans les cheveux. Voilà, j'ai fait un petit mix des deux. Au niveau des produits, les restes, c'est les produits habituels, si je ne me trompe pas. Je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que bien entendu, je vais essayer de vous faire. Alors, je ne sais pas si je pourrais filmer, mais en tout cas, vous prendre des petites photos du look complet. Donc avec la tenue, je vais être en robe ce soir, ce qui est un exploit. Voilà, j'essaierai de vous prendre donc des petites photos ou un petit film de la tenue complète. Donc voilà, je suis très contente du maquillage. Je vais voir si ça tient bien toute la soirée. J'ai bien mis des bases, j'ai bien mis du spray, donc ça devrait le faire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une très belle année 2019. Je vous embrasse bien fort. J'espère qu'on sera encore voilà, très nombreux à se côtoyer les uns les autres, à toujours faire de beaux échanges sur YouTube. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon début d'année. Encore une fois, je sais, je me répète, mais on ne le dit jamais assez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse donc avec quelques images. De la tenue. Bye. Party girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. See, I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love.